à la conférence de presse offerte par l'équipe du film qui va clôturer la section officielle de cette 64e édition du Festival de Saint-Sébastien. Il s'agit du film branco-belge L'Odyssée. Et nous avons avec nous le directeur Jérôme Salle, les acteurs protagonistes Lambert Wilson et Pierre Ninet, et le producteur Olivier Delbosque. On va commencer avec la première question. Voilà. Oui, je voulais vous demander quelque chose. Cousteau, il a l'air, c'était quelqu'un qui ne levait jamais la voix. Il donne l'impression de ne jamais lever la voix. Il avait la, on a l'impression que c'est vrai qu'il avait des soucis et des inquiétudes, mais ça m'a frappé que c'était quelqu'un de très calme qui ne levait jamais la voix. Est-ce qu'on vous a dit qu'il était comme ça, que c'était quelqu'un de très aimable, de très gentil, apparemment toujours heureux? Très gentil, je ne sais pas si c'est la sensation que ça donne. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est quelqu'un qui n'élevait pas la voix, effectivement. C'est quelqu'un qui était plutôt dans la séduction avec les gens qu'il entraînait avec lui. Et je crois que c'était effectivement très rare. Ça, c'est les témoignages que j'ai eus. Après, je ne le décrirais pas comme très gentil. Je pense que c'était un homme charismatique qui a emmené son équipe très très loin. Mais qui pouvait parfois, comme le montre le film, parce que je pense que j'ai pas essayé de cacher quoi que ce soit, d'essayer de faire un portrait équilibré, qui pouvait parfois être très 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 dur en fait avec son entourage et particulièrement avec sa famille. Voilà. Mais en fait, je suis toujours frappé parce que quand j'ai commencé à travailler sur ce film et que j'ai dit que je voulais écrire un film donc sur Cousteau, je rencontrais deux catégories de personnes, les gens qui pensaient que cet homme était un demi-dieu. Et j'ai des gens qui pensaient que c'était un salaud. Et il y avait personne entre les deux. Moi, j'ai essayé de faire le portrait d'un homme, voilà, équilibré. Je voudrais juste rajouter qu'on a rencontré des gens qui ont travaillé avec lui, notamment les plongeurs et les caméramans, et avant le film, et qu'ils m'ont dit, ils l'ont dit aussi à Jérôme, bien entendu, ne ratez pas son pouvoir de séduction. C'est-à-dire, la force de son regard qui pouvait vous emmener au bout du monde. Et en même temps, il disait qu'il n'aimait pas les conflits et que quand il fallait dire quelque chose de négatif aux gens, c'était généralement quelqu'un d'autre qui le faisait à sa place. Il était faible dans les moments de difficulté. C'est pour ça que c'est souvent sa femme qui... Quand il fallait se débarrasser d'un plongeur ou d'un caméraman, c'est plutôt elle qui prenait ses décisions, en tout cas qui le disait, non? Et donc, lui, son action, c'était de séduire tout le monde, hommes et femmes, et il pouvait leur demander de le suivre, et on le suivait. Donc c'est ce mélange de pouvoir, de séduction incroyable, et en même temps d'une certaine lâcheté dans les conflits. Oui, juste... Faible dans les difficultés, enfin je voudrais défendre la mémoire pour le coup de Cousteau, quand Lambert dit faible dans les difficultés, c'est faible dans les difficultés relationnelles. Relationnelles, confrontationnelles. Parce qu'à plusieurs reprises dans sa vie, c'est un homme qui a fait preuve d'un vrai courage oui, physique non, pardon, pour le coup, oui. donc vraiment c'est uniquement dans les difficultés relationnelles et oui. humaines. Voilà. Bonjour, j'ai une question pour les directeurs et aussi pour les acteurs. Quelles ont été les difficultés du point de vue de tourner sous l'eau, tournage sous l'eau, sous-marin? Tourner sous l'eau, on a rencontré les mêmes difficultés en fait qu'a rencontré l'équipe de Cousteau 70 ans avant. La première difficulté, c'est la visibilité. C'est-à-dire que les jours où la visibilité est mauvaise, c'est comme si vous tentez de tourner dans le brouillard à la surface. Donc vous ne pouvez absolument rien faire. Donc il faut beaucoup de temps, il faut du temps. Et après, sinon, je crois que c'est la principale difficulté. L'autre difficulté qu'on a eue, et qui est quand même très symbolique par rapport à ce que raconte le film, c'est de pouvoir recréer ce qu'était la Méditerranée en après-guerre, donc fin des années 40, là où le film démarre,
qui est une sorte de paradis perdu. La faune qui était en Méditerranée à cette époque-là n'existe plus. On s'est dit qu'au départ, moi, je me suis dit que j'allais tourner dans des réserves. Il y a quelques réserves dans le sud de la France. Même dans ces réserves-là, la multitude de poissons qui existaient à l'époque, y compris dans leur multitude et leur taille, quelque chose qui n'existe plus. Donc la plupart des poissons de cette première partie du film, malheureusement, sont des poissons qui ont été recréés sur ordinateur. Et je dis ça parce que c'est très symbolique, au fond, de ce que le film raconte et ce qui se passe aujourd'hui avec la biodiversité. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, moi, qui m'a fait toucher du doigt l'évolution de la planète. Et j'étais persuadé, moi, que dans les réserves, en tout cas, on pourrait tourner ça. Et on n'a pas réussi. Et c'est un des seuls d'ailleurs endroits du film où on n'a pas pu respecter la règle qu'on s'était fixée dès le départ, qui était de faire un film le plus naturel possible, en évitant tout ce qui était justement fond vert et effets spéciaux. Voilà. Et après, j'ai eu la chance d'avoir deux acteurs qui n'avaient jamais plongé, mais qui se sont formés à la plongée et qui ont été très bons l'un et l'autre. Voilà. Et ça, ça a été une vraie aide pour le film. T'es d'accord avec oui, ça? Oui, totalement. Ben non, moi c'était une découverte totale, la plongée. D'ailleurs, ce qui était intéressant, c'est que contrairement à l'habitude qu'on peut avoir sur un film de se rencontrer autour du scénario, des dialogues, j'ai l'impression que pour moi que la première vraie étape de travail, elle s'est faite à Marseille, dans le sud de la France, quand on a plongé avec Jérôme et avec Lambert. Et du coup, je me suis retrouvé dans ce milieu qui est tellement particulier, surtout quand on le découvre. À la fois très apaisant, très méditatif, et en même temps, ça crée des liens très très forts de plonger avec les gens. Et le fait de commencer à plonger avec Lambert, j'ai l'impression qu'on était déjà au cœur de la relation père-fils qui a pu exister entre Cousteau et son fils Philippe. Donc c'était assez extraordinaire de commencer par une rencontre physique comme ça, et moi ça m'a beaucoup plu. Puis ensuite, comme disait Jérôme, il avait envie de cette authenticité dans le film, c'est-à-dire qu'on plonge vraiment, qu'on aille vraiment en Antarctique, qu'on aille vraiment plonger avec des vrais requins aux Bahamas, et pas dans des cages, et pas en effets spéciaux, et pas que avec des doublures. Donc pour ça, la plongée, c'était très important, qu'on puisse le faire vraiment. Et donc, on peut dire fièrement qu'on est scaphandrier professionnel, qui est un titre qu'on revendique très très fièrement. On a des très beaux t-shirts, d'ailleurs, sur lesquels c'est marqué. On aurait pu les mettre. On aurait pu. Hola, buenos días. Bonjour. Je voudrais vous dire que à Jacques Cousteau, il faut lui remercier de nous avoir rapprochés du monde sous-marin. Ceux qui avons déjà un certain âge, depuis tout petit, ont regardé ces séries à la télé, ont voyé ce monde sous-marin. Mais voici ma question. Bon, j'imagine que le monde de l'Antarctique, là, y tourner, ça a dû être très très dur, j'imagine. J'imagine aussi que le fait de plonger, de savoir comment le faire, oui, c'est sûr que c'est dur, qu'il faut se former afin de savoir comment utiliser l'oxygène et tout. Les bouteilles, oui, j'imagine que ça a dû être dur d'apprendre à faire la plongée et aussi le fait de tourner en Antarctique. Racontez-nous un petit peu tout ça. Je commence après. D'abord, je vais vous dire que, au fond, le tournage a été difficile. Oui, parce qu'en fait, il cumule à peu près tout ce que vous devez éviter sur un tournage de cinéma. C'est-à-dire ne pas tourner sur l'eau, ne pas tourner sous l'eau, ne pas tourner avec des enfants, ne pas tourner avec des prosthétiques, ne pas tourner avec des animaux. Je crois qu'on a fait le tour de tout ce qu'il faut éviter pour pas avoir de catastrophe. Donc, on avait absolument tout dans le tournage. Maintenant, rien n'a été aussi difficile que de faire exister ce film. Et je dis ça parce que un de nos quatre producteurs est là avec Olivier. C'est un film qui nous a tous coûté beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts pour le faire exister, qui était très très difficile à financer. Donc quand on me demande si le tournage a été difficile, au fond, je peux pas répondre oui. Parce que malgré toutes les difficultés qu'on a eues, on en a eu beaucoup, chaque jour de tournage était un cadeau et une récompense. Je suis incapable de vous dire, je suis incapable de me faire plaindre là-dessus. Et quant à l'Antarctique, ça rentrait effectivement dans la logique qui était choisie au départ, qui était de ne pas faire du fond vert. Donc on a fait ce choix d'aller là-bas. J'ai prévenu Lambert, Pierre, les acteurs, dès le début, qu'on irait là-bas dans des conditions difficiles, c'est-à-dire qu'on était logé sur un bateau, que tout le monde devait partager les cabines. On est parti à 14, tout compris, y compris un médecin que les assurances nous a imposé. Donc ça veut dire qu'on faisait tous quelque chose, voilà, porter les caisses, aider. Voilà. C'était une équipe de court-métrage, en fait, tout d'un coup. Et en même temps, c'est la même chose,
ce serait indécent de dire que c'était difficile. Je peux vous raconter, je peux vous dire qu'on a eu une tempête, effectivement, 80 nœuds de vent, que ça a été très dur physiquement, oui. Mais ce serait indécent de vous dire que ça a été difficile, parce que aller là-bas, tourner un film là-bas, profiter de cet endroit absolument exceptionnel et hors norme, c'est un cadeau, voilà, pour moi. Je voudrais rajouter simplement que pour nous, pour Pierre et moi, et je pense aussi pour Audrey Tautou, c'était une expérience vraiment extraordinaire à cause de la plongée, le travail avec les plongeurs aussi, qui était une chose merveilleuse, les voyages, les bateaux. Et à chaque fois qu'on plongeait, même si l'eau en Afrique du Sud était très froide, 9 degrés, c'était quand même, c'était une excitation permanente de faire cet exercice-là. Je voudrais aussi rajouter que quand on est acteur, quand on découvre un personnage, on théorise beaucoup, on stocke des informations qui sont très intellectuelles, mais à un moment donné, il faut passer par le corps pour comprendre vraiment le personnage, faire ce que fait le personnage. Et pour nous, pour Pierre et moi, la découverte, ça a été vraiment de plonger. C'est là que ça sort de l'intellectuel et ça entre dans le corps de façon organique. Et c'était une libération, parce que c'est au cœur même de l'esthétique de Cousteau aussi, d'être élégant sous l'eau, de plonger, pas simplement plonger, respirer sous l'eau, mais aussi être en harmonie esthétique avec cet environnement-là. Et on a beaucoup travaillé sur ça, sur cette élégance de plongée. Et à partir du moment où on sort de l'intellectuel et qu'on entre dans le corps, là, on fait une synthèse. Voilà. J'ai terminé avec univers, maintenant je termine avec synthèse. Ouais. Oui, c'est bien, mais ça laisse la parole à Pierre, il aime bien quand tu finis comme ça. En général, ça l'inspire. Ça va, moi j'ai dit ce que j'avais dit. Donc bonjour, moi je voulais que vous parliez un petit peu sur deux personnages qui me semblent très importants dans le film, et qui peut-être sont les héros cachés, c'est au moins comme je les ai perçus. Donc, la femme de Cousteau et Bébert, le personnage de Bébert. Je voudrais que vous me parliez un peu de ces deux personnages, parce qu'il me semble les héros cachés, ils sont dans l'homme, c'est Bébert qui sauve le fils de Requin, et c'est elle qui reste avec lui, qui est le Calypso. À un moment donné, c'est elle il me semble qu'elle rentre dans le bateau et la femme sont la même chose. Et elle reste avec lui dans ce que je peux identifier comme trois phases dans l'évolution professionnelle de Cousteau. La première, peut-être là je risque de caricaturiser un peu, mais vous allez me corriger si c'est le cas ou pas. Donc comme un personnage lié à la marine, donc et à la recherche pétrolière, et peut-être quelque chose encore un peu plus profond dans l'état profond, c'est-à-dire les services, les savoirs, et donc quelqu'un de protégé. Après, il devient quelqu'un de médiatique, un personnage médiatique, il fait des documentaires, avec tous les la lumière et les sombres qui vont avec ça. Et puis la troisième phase, d'écologiste. Alors que la femme elle reste pareille, reste elle-même. Donc, vous entendre sur tout ça, si vous permettez. D'abord, sur Simone Cousteau, c'est vrai que moi, quand j'ai commencé à travailler sur l'histoire de cet homme et de cette famille, puisque l'angle choisi dès le début est celui de la famille, évidemment que Simone est apparue comme un personnage extrêmement fort. Elle est évidemment la femme derrière le grand homme. Je pense que c'est une grande histoire d'amour, en fait. Malheureuse, sur la deuxième partie de leur vie, sans doute, et plus pour elle encore. Mais je pense que c'est une grande histoire d'amour entre ces deux êtres, jusqu'au bout. Voilà, malgré ses tromperies, malgré tout ça. Je pense qu'elle était des deux le vrai marin. Je pense que c'est une femme qui, malheureusement pour elle, n'est pas née à la bonne époque. C'est-à-dire que si elle était née 50 ans plus tard, elle aurait pu s'accomplir par elle-même. Donc elle représente aussi son époque, une époque où les femmes étaient obligées, au fond, de s'accomplir parfois à travers leur mari, puisque à cette époque, Simone ou les femmes n'avaient pas accès, par exemple, à la marine. Donc je trouve que, comme Cousteau, d'une certaine manière, elle représente aussi une époque et le XXe siècle.
Après, sur l'évolution, effectivement, vous avez tout à fait raison, elle reste fidèle à elle-même, elle reste immuable, alors que Cousteau est quelqu'un qui a toujours été en phase avec son époque. Moi, une des choses qui m'a intéressé dans l'histoire de cet homme, c'est qu'il représente pour moi parfaitement l'évolution de l'homme par rapport à la nature au XXe siècle. C'est-à-dire que c'est un homme qui est né en 1910, lorsqu'il est né chez lui, il n'y avait pas d'électricité. C'est pour ça que vous voyez dans le film, tantôt, il joue avec l'électricité. C'est-à-dire qu'il faut imaginer pour un enfant, quand il avait 5 ans, je crois, lorsque l'électricité est arrivée chez lui dans son petit village, à quel point le progrès et la technique l'a fasciné. Donc c'est un homme de son époque, au départ, qui est dans, il a la foi absolue dans le progrès et dans la technologie. Et peu à peu, il va comprendre que cet esprit dans lequel il a été élevé, c'est-à-dire l'esprit de la conquête et l'esprit aussi de la domination de la nature par l'homme, ce qui est le cas depuis des millénaires, est voué à l'échec, et à quel point finalement l'homme devient un super prédateur, et qu'il faut changer de logiciel, je dirais, et au lieu de conquérir et d'exploiter, commencer à protéger. Ça ne veut pas dire justement que c'est quelqu'un qui a voulu arrêter le progrès. Je pense que c'est ça qui est intéressant chez lui. Je pense que Cousteau est un homme de mouvement. C'est un homme qui sait qu'on ne peut pas arrêter le temps, qu'on ne peut pas arrêter les choses. Mais par contre, à un moment donné, il sait aussi que ce mouvement perpétuel, il ne faut pas le laisser aller et qu'il faut le diriger et l'orienter pour ne pas tout se détruire. Voilà. Maintenant, un dernier mot sur Bébert, que j'ai rencontré, que j'ai eu la chance de rencontrer avant qu'il décède, puisque c'est un film sur lequel je travaille depuis des années, et qui était un homme absolument fascinant. C'était un très très grand plongeur et qui a été sans doute effectivement celui qui a traversé toutes les étapes de la vie de Cousteau, et qui, comme Simone, au fond, est resté assez immuable. C'était un vrai, comment dire, c'était un vrai fidèle, c'était le bras droit, et c'était un homme extrêmement extrêmement touchant, extrêmement simple. Voilà, j'ai eu beaucoup de chance de le rencontrer, et je suis très fier de ce que fait le jeune acteur Vincent Hénen qui est dans le film. Je trouve qu'il fait un travail absolument formidable sur ce personnage. Salut. Je suis très heureux, j'ai vu le film hier, et je suis une autre fois un enfant avec Tintin, Julio Verne, Audrey Tautou, c'est merveilleux, Amélie, une autre fois. Je suis tombé amoureux une autre fois avec quelque chose de mon enfance, spécialement Pierre. Mais, mon demande est, le rythme du film, pour moi, c'est merveilleux parce qu'il commence avec le calme et c'est plus et plus rapide et vite. Mais au final du film, je ne veux dire spoilers, mais c'est la vie du Cousteau. C'est cette adaptation du personnel de Lambert, vu comme son fils, le rythme s'est approprié une autre fois, vous savez, vous, et le film une autre fois. Parce que j'écoutais, et c'est très rapide à le film, et je suis amoureux avec cette film, alors, pour moi c'est bien. Mais j'écoutais les mêmes, commentaires, et plus d'un fois, et je suis curieuse parce que je ne suis pas sûr si je suis amoureux avec cette film, et je ne suis pas, critique. Moi, je trouve ça bien que vous soyez amoureux du film, en tout cas. A priori, non, sur le rythme du film, effectivement, il y a un crescendo assumé depuis le début. Un film, il y a quelque chose de musical dans la construction d'un film. Et le film est construit avec un premier acte qui est une sorte de paradis perdu. D'habitude, en fait, les biopics ont une construction classique, tous. À croire que les gens qui ont une vie incroyable ont toujours la même structure de vie, c'est-à-dire un traumatisme de départ, on se reconstruit, on arrive à la célébrité, on se brûle les ailes, on retombe et parfois on repart. Moi, je voulais éviter justement ça. Il n'y a pas de traumatisme dans l'enfant Jacques Cousteau, il n'y a pas. Voilà. Mais par contre, en fait, je voulais avoir ce paradis perdu que cet homme, mu par sa curiosité, va détruire. Il est, en fait, pour moi, Cousteau représente l'homme occidental, avec ses défauts et ses qualités, c'est cette envie de toujours aller de l'avant, ne pas se contenter de ce qu'on a, quitte parfois à détruire un équilibre,
Et ça, je trouve que ça représente vraiment l'homme occidental au XXe siècle. Après, d'un point de vue cinématographique, donc, il y a quelque chose d'assumé, qui a un rythme lent au début, mais une montée progressive, qui est quelque chose que moi, j'aime, et je pense quelque chose qui est nécessaire. Je pense que l'émotion que les gens ressentent à la fin du film se construit avec ce début, justement, et ce plaisir qu'on a d'être avec cette famille. Voilà. Donc, c'est quelque chose de totalement assumé. Je ne sais pas si ça répond à la question. Super. Tenemos tiempo para una última pregunta. Une toute dernière question. Bon, j'ai deux questions en une. Je ne sais pas si ça a déjà été répondu. Oui, la relation avec la famille Cousteau, quelle a été? Oui, je recommence. La relation avec la famille Cousteau dès le début du projet jusqu'à la fin. Jean-Michel est encore en vie. Alors, racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé, ce processus. Et puis, je suis curieux de savoir comment avez-vous tourné avec la baleine, la scène avec la baleine. Est-ce que c'était pour de vrai? Est-ce que vous étiez là pour de vrai? Racontez-nous un petit peu. C'était une scène très belle. Merci. Alors, les rapports avec la famille, le parti pris, moi, que j'ai eu depuis le début dans le rapport avec la famille, c'est que je voulais garder ma liberté en tant qu'auteur. Donc, je n'ai pas cherché à me mettre dans une logique d'approbation par qui que ce soit dans la famille. D'autant plus que la famille Cousteau, comme vous le savez peut-être, est nombreuse et divisée. En tout cas, il y a des gens qui ne se parlent pas. Voilà. C'est une famille qui n'est pas simple, comme beaucoup de familles. Mais en l'occurrence, celle-ci n'est pas simple. Donc, si je commençais à rentrer dans une partie de la famille, c'était suicidaire pour moi. Et surtout, c'était suicidaire en tant que liberté créative. Donc, mon processus a été de rencontrer tous les membres de la famille. Je crois, je peux dire sans exception, tous les membres. De leur expliquer ce que j'allais faire, la philosophie dans laquelle j'allais travailler, et leur disant que je ne voulais pas les blesser. Par contre, je voulais garder ma liberté, mais je ne voulais pas les blesser. Et en leur faisant, s'ils le souhaitaient, la plupart du temps, ça a été le cas, lire les textes et écouter leurs notes et leurs commentaires. Ce qui a été le cas aussi pour la plupart d'entre eux. Voilà, ça s'est bien passé. Tout le monde, alors, je crois que je peux dire que quasiment tout le monde a lu le scénario. J'ai eu des notes. Il y a certaines notes que j'ai prises en compte, parce qu'encore une fois, il y a des choses, je ne voulais pas blesser, puis des fois, il y avait des choses qui étaient intéressantes dans les notes. Aujourd'hui, il y a des membres de la famille qui l'ont vu, comme Jeanne Cousteau, qui est dans le film, qui l'a vu il y a deux jours, qui a été très ému, et c'était un moment très fort, parce qu'en fait, on l'a montré à Jeanne avec tous les anciens de l'équipe Calypso, à Marseille, il y a deux jours, 150 personnes, avec des gens en larmes, et ça, c'était quelque chose de très émouvant pour nous. Et il y a des gens qui vont encore le voir. Jean-Michel, qui est en fait en train de tourner, je ne sais plus où dans le monde, n'a pas pu le voir encore, a lu le scénario, par exemple, mais le verra le 11 octobre, je crois. Donc voilà, ça a été le processus, le cadre dans lequel j'ai travaillé. C'est toujours compliqué, en fait. Évidemment, un biopic, c'est compliqué, et c'est encore plus compliqué quand vous avez des gens qui sont encore en vie. Cet équilibre entre ma liberté d'auteur, c'est mon point de vue, j'assume mon point de vue, et le fait de ne pas vouloir blesser des gens qui vivent encore. Voilà. J'ai tenté de conserver cet équilibre, j'espère que je l'ai conservé. On le saura à la toute fin, finalement, quand tout le monde l'aura vu, mais pour l'instant, j'ai l'impression. En ce qui concerne la baleine, bah, c'est Pierre qui va en parler le mieux, je pense. Hein. Ouais, moi, la baleine, j'étais très déçu parce que c'était une des choses qu'on pouvait pas faire réellement. Autant on a fait les requins. Moi, j'ai plongé avec les otaries aussi. C'était des plongées extraordinaires. Des souvenirs, fous, complètement fous parce que on était sincèrement avec les meilleurs plongeurs du monde pour faire ça. Donc, c'est des gens qui vous encadrent très bien, qui vous emmènent aux meilleurs endroits, qui sont des endroits sauvages où on espère croiser les animaux et on les voit. La baleine, c'était pas possible parce que Jérôme voulait quelque chose de tellement intense qu'il aurait fallu rester en observation des jours, des mois durant pour trouver un moment aussi rare avec une baleine. Donc, voilà, mais on s'est un petit peu vengé avec Lambert sans le vouloir puisque on a fait une scène, la scène où, Cousteau et son fils sortent la tête de l'eau après qu'il ait vu les maisons sous la mer, qu'il lui ait fait découvrir les maisons sous la mer qu'il vient de créer. Et on avait juste une sortie, on devait sortir la tête de l'eau et c'était le soir. Et on avait autour de nous des plongeurs de sécurité qui vérifiaient s'il n'y avait pas de requins. C'était au moment du coucher de soleil en Afrique du Sud. C'est un moment un peu touchy. Et donc il y avait déjà une forme d'excitation et un peu d'appréhension de faire cette scène-là au milieu de l'océan en Afrique du Sud. Et d'un coup, pendant qu'on jouait la scène, une baleine est sortie à 10 mètres de nous,
en faisant un bruit énorme, et toute l'équipe s'est retournée. On était en plus pas très nombreux, il y avait deux zodiacs, un zodiac de plongeur, un zodiac avec les caméramans et Jérôme. Et c'était un moment absolument incroyable qui m'a nourri ensuite pour jouer ce regard que je devais imaginer, donc de la baleine que vous voyez dans le film. Mais voilà, la baleine est sortie, elle a commencé à tourner autour de nous, et elle est restée tellement longtemps, une deuxième est sortie, et vraiment elles étaient autour de Lambert et moi, et donc au bout d'un moment on s'est remis à tourner, quoi, à se dire, voilà, au bout d'une demi-heure on était en fascination totale, et donc la scène que vous voyez dans le film, voilà, ça ne se voit pas au cadre, mais il y a deux baleines à bosse autour de nous, en train de tourner autour de nous. Donc il y a eu des moments assez incroyables, donc on était nourris de ça pour pouvoir imaginer voilà, ce qu'on était censé voir en contre-champ sur certaines scènes, et là c'était le cas. Mais je tiens à dire que pour compléter ce que dit Pierre, en tout cas la séquence des requins, parce qu'on me pose souvent la question, fait évidemment partie de tout ce qu'on a essayé de faire en réel. Donc la séquence du requin est totalement réelle, et Pierre est venu, on a tourné ça aux Bahamas pendant un peu plus de 2 semaines. Pierre est venu, il a plongé avec les requins, il était au milieu des requins, donc voilà, tout ça, on a vraiment essayé de coller le plus possible à la réalité. Après, ce que dit Pierre est tout à fait juste, le problème des baleines, c'est que c'est très difficile de les trouver, ça prend énormément de temps, donc ça, on est obligé de le confier à une équipe sous-marine, parce qu'on peut pas avoir l'acteur. En fait, sinon, il aurait dû dire non à François Ozon, il aurait dû dire non à beaucoup d'autres réalisateurs. Pour attendre une baleine. Pour attendre une baleine, et j'ai eu du mal, à lui arracher ça, on va être honnête. Ok, vamos a terminar, vamos a finir. Merci beaucoup. Merci. Muchísimas gracias a todos.